Allez, déjà de tous les joueurs, mais ce soir, nous sommes dans la catégorie des garçons 11. Et là, ça va forcément aller un peu plus vite. Et là, sur les intérieurs, c'est Julien Boucher, le pilote d'Erani, qui devrait pouvoir venir en tête avec le Tony Durer, un autre pilote d'Erani, à la deuxième position. Mais attention, il y a également Corentin Le Guenin qui est là, le pilote de Nice, il est à la troisième position. On est à la tête également du côté de Jean-Marie, le pilote de Samuel Laporte, par exemple, pour aller chercher une quatrième place, il est à la route avec Nino Cazotte, un autre pilote de Nice, par instant, c'est très sûr et tout cela. Et devant, en tout cas, ça ne bouge absolument pas. C'est toujours bien Julien Boucher qui est à l'avantage. Julien Boucher donc à la première position. Corentin Le Guenin qui a récupéré la deuxième place. Tony Girard à la troisième place. Le pilote de Rami. Donc, Tony Girard est là à quatrième place. Ça a été très serré là également. Mais il me semble qu'elle est pour Jean Barrier. Le numéro 7 de finale des garçons 11, Lenzo Piccioli, là, équipé par les sacrifices, c'est lui qui va sortir en tête. Il y a un autre pilote de Boutini qui est là, c'est Jesse Chevroux. Il est pour l'instant en deuxième position. Et on peut parler d'un troisième pilote de Boutini. Il était là et également, c'est Enzo Durand. Les trois pilotes de Boutini pour l'instant qui occupent les trois premières places. Alors, c'est une domination de ce pilote de Boutini avec Loan Tepo, le pilote franco-villois. À la quatrième place, attention également derrière, et au tête de Raphaël Valentin, le pilote de Samon. Il est à la cinquième place pour le moment. Pour l'instant, donc Boutini en 1, Boutini en 2, Boutini en 3, avec Lenzo Piccioli, Jesse Chevroux et Xébiron qui assurent leur qualification. Et la quatrième place pour Léon Coupeau, le pilote franco-villois. Allez, encore un autre quart de finale. Pour l'instant, l'avantage, il a été pris par Pablo Garrido, le pilote chrétien, avec la deuxième place pour le pilote prussien. C'est Sheldon Pontois pour la Normandie qui est en deuxième position. Il y a également Lucas Jacquet qui est dans le saut. Il est à la troisième position, mais il est à la lutte. Il est à la lutte avec Louis Le Gentil, le gentil, le pilote de Ligue qui est toujours là dans le saut également. Il est à la quatrième position. Il est tout à fait en mesure d'aller chercher la calibre. Attention, il va falloir résister parce que derrière, voilà, c'est retour très fort. Il y a eu du changement pour cette troisième position avec le retour de Armel Tsufini Armelic, le pilote de Bayer. Et oh, la réaction pour la quatrième place, on se focalise un petit peu parce qu'elle est importante, c'est la dernière phase qualificative. Alors Louis Le Gentil, peut-être Louis Le Gentil sûrement, qui va se voir donc qualifié en compagnie de Fabio Garrido, Sheldon Bonfoy et Lucas Chateau. Allez, le dernier quart de finale dans cette catégorie des garçons et 11, et le dernier quart de finale du corps d'ailleurs, avec Timéo da Silva, le pilote de Rani qui prend l'avantage, et Rani à la deuxième place également avec Milan Gauchard pour l'instant, les deux pilotes de Rani en tête, Maxence Levin, Pantamont à la troisième position, et sa bataille également pour la quatrième place, et quatrième place, et par l'instant sur les épaules de Pedro Diva, le pilote de Pantamont, et Timéo aussi sur la tête à l'échappée, dans la qualification pour tout à l'heure les demi-finales. Devant, donc c'est toujours Rani en 1 et Rani en 2, avec Timéo da Silva, Milan Gauchard, les deux. Pilotes qui se connaissent parfaitement, voilà, on va se respecter et on va passer les arrivées dans ce soir. La troisième place par Maxence Cousin et la dernière place qualificative qui reviendra dans 4 minutes au Tiva par le club de